Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou, on s'était arrêté là, on poursuit. Alors, je peux rien faire, mais par contre, il y a un truc qui s'est débloqué un peu, c'est sur Max, il peut avoir des vêtements. Donc, je sais pas c'est quoi ça. D'accord? Il peut s'acheter par exemple un peu moins de dégâts, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts avec des armes de poing, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait il a comme un gilet pare-balles, etc. Donc est-ce que ça coûte du truc? Ah non, je suis déjà équipé avec ça, je suis désolé, je me suis mal exprimé. On a une étoile, une compétence. D'accord. Il a appris quelque chose. Donc on va prendre ça. Ça demande 25 ferrailles. Et heureusement que je ramasse beaucoup de fer. Ah tiens, le truc que j'ai besoin, l'outil en question, bah le voilà, équipé. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Tu vois, c'est tout con. On a trouvé l'outil en question. Voilà, c'est celui-là qu'il me fallait, regardez. Oh, trop fort, hein. Franchement. J'ai bien fait, en fait, de bien regarder dans tout ça. Il y a un livre aussi. D'accord, légende. Donc il y a de l'eau sacrée quelque part. Franchement c'est pas mal tout ce qu'ils mettent. Des charges à 100%. Prends l'arme, Body. Je regarde encore qu'est-ce que j'ai comme possibilité. Donc les armes, il n'y a pas grand chose. C'est déjà équipé. L'étoile, il y avait encore une compétence que je pouvais apprendre. Des attaques, d'armes au corps à corps, même sans armes. 50 de ferraille. Allez, on y va. Parfait. Je regarde qu'est-ce qu'on a d'intéressant. La tête. Là, c'est tous les trucs, à mon avis, qu'on va débloquer. Je vais regarder étape par étape. Le point. Donc ça, ça va me donner plus tard. Encaisseur, on encaissera plus. Bon, ça, c'est les vêtements qu'on a vus tout à l'heure. Les points qui vont être protégés. Encaisseur niveau 4. Des munitions. Ça va me permettre de pouvoir être tranquille. Après, on a des armes ici. Donc ça, pour l'instant, je suis pas encore équipé. Mais c'est kiffant tout ce qu'ils mettent en fait. Hein. On aura vraiment l'embarras du choix quoi. Et le dernier, c'est un peu tous les trucs. La gourde, je l'ai déjà. Voilà, j'ai déjà tout en fait. Vous voyez, je suis déjà équipé à fond au niveau des outils. Donc tout ce qui nous manquait, c'était cette fameuse barre métallique. Trop cool. Donc allez, je poursuis. Par contre, est-ce que je peux garder le jouet avec moi? Je pense pas. Maintenir pour utiliser. Ah si, c'est bon, je peux. Ok, maintenant poursuivons un peu la mission. Je vais aller avec la tôle carrément. On doit le véhicule. Ah non, il allait se tomber quand même. On décroche. D'accord, c'est comme ça que tu décroches. Le harpon, le temps qu'il se recharge. Et nous, on va se cacher un peu, à mon avis, dans notre base en question. Eh, mais c'est un kiff en fait, hein, de tout explorer comme ça. Vas-y mon petit. Donc beaucoup m'avaient dit qu'il y avait des carrosseries en fait ici quelque part que je pouvais choisir n'importe quelle carrosserie. Bon ça par contre j'ai dû faire une petite bêtise. Donc attendez, non c'est bon. Ouais et puis non. Attends, je crois qu'il y avait une gourde quelque part. Et je vais en profiter pour la prendre rapidement, désolé hein, de faire que de tourner. Mais il avait en fait une grande réserve lui en fait, elle est juste à côté. Donc pourquoi partir vide si je peux partir rempli rapidement? Vu que je suis dans ma base, pour la prochaine mission ça pourra toujours nous servir, je pense qu'on est d'accord. Ah ouais d'accord, il n'y a que ça. La pompe elle est carrément à sec. Ah ça c'est un peu moins sympa. Le prochain atout que je ferai, c'est consommer un peu moins d'eau, en fait. On va lui parler. Shay! Oh, Shay! Come and see!
Come and see your saint. Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred solenoid, she's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night, right? You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. Oh, we need armor on my angel for that run. Yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... Cabbages! Get in the car! Wait! This is my camera! Eh ben, ils ont tout cassé. Bon, moi je m'enfuis, je cherche pas forcément à comprendre. Par contre, c'est super dur à conduire. Enfin, je vais lui rentrer un peu dedans à lui. On se vengera, vous inquiétez pas. Je veux juste jeter un petit coup d'œil encore quelque part. Après, on va faire un tour de la forteresse, mais avant ça, il y a quelque chose à explorer ici. D'accord, c'est tout ce qu'il y avait en fait. Ouais, est-ce que vu que Max aura besoin, sincèrement, de beaucoup, j'ai bien dit beaucoup de pouvoir pour améliorer énormément ses trucs. Pour marquer un endroit important sur la carte, en déplacement rapide. Bah bien évidemment, plus j'en aurai, plus je pourrai me déplacer plus rapidement. Oh, tout ce qu'il y a en fait ici. Cool. On prend le bidon. C'est quoi, 2 secondes, hein. Je vais me faire des réserves. Je veux pas être con. Je vais vraiment jouer très technique hein, dans le jeu. Parce que sincèrement, le but, c'est de pouvoir être en mode survivaliste le plus longtemps possible. Donc plus on aura de ressources, plus on va être tranquille. Est-ce que je peux le mettre derrière pour stocker? Kiffant. Donc après, on va allumer un petit peu le ballon dirigeable. Mais laissez-moi un peu le temps. Je suis vraiment désolé d'être bridé, sincèrement, à 15 minutes. J'aurais bien voulu faire un truc bien plus longtemps. Ça m'aurait fait vraiment bien kiffer, quoi. Mais dès qu'on n'a pas le choix, on n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est quoi, ça, le menu ferrailleur? D'accord. Ah, c'est ça. Ah là là. Ah ouais, d'accord. Faut que je les attaque, ceux-là. D'accord, dans les terres désolées, pour contrôler, d'accord, amener. Ah ouais, il est récupéré. Ouf. Il m'intéresse beaucoup, celui-là. D'accord. Donc, je pense que, question de ferraille, on va être servi dans les véhicules comme ça. Je crois qu'il y avait quelque chose ici.
On va jeter un petit coup d'œil. Donc le véhicule est juste là. Donc voilà la carte dans laquelle on se situe pour l'instant. Nous, on va aller un peu tout droit. Donc j'ai des postes à démolir ici. Il y en a un peu partout. C'est bien, ça nous permet de voir un petit peu le territoire, qu'est-ce qu'on aura à faire. D'accord, donc la forteresse est pas loin. Nous, on était juste ici. D'accord, ça nous a révélé complètement une région. Et en plus, il a le sens d'observation. Donc là, j'aurai ça. C'est quoi? Je profite vraiment pour prendre mon temps. Allez, monsieur Max, qu'est-ce qui est intéressant ici? Des zooms. Donc nous, on était quelque part là, c'est ça. Là, j'ai cru que c'était vers chez nous, en fait, qu'ils étaient en train de venir. Par contre, les jumelles sont assez costauds, quoi. Voilà, j'ai tout le territoire. Et là, regardez tout ce qui est en train de m'afficher. D'accord. Après, on aura aussi d'autres poses d'observation. Ça marche un petit peu. Ouais, ok. Donc, il y en a peut-être un là qu'on a oublié. C'est quoi, ça? D'accord. On a oublié ça, en fait. Ça, je sais pas c'est quoi, ça, la cachette, là. Faudra qu'on aille voir plus tard. De toute façon, sincèrement, je pense qu'on va tout faire. Hein. Ok. Donc, en fait, ça tient à un fil. Et même Max, il pourra se déplacer beaucoup plus rapidement maintenant. Ça marche un petit peu comme sur l'ambre du Mordor, etc. Ou comme sur les assassins. De pouvoir avoir un maximum de territoire pour pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. C'est plutôt bien. Ou comme sur Dead Knight aussi, le jeu de zombies, là. Quitter le ballon. Et je vais essayer de m'occuper de la ferraille. Donc je suis pas certain qu'il faut que je le fasse avec la voiture, mais je vais le faire quand même. Récupérons la caisse et après partons. Je sais pas s'il a abandonné la voiture ou pas. Attends, il me la faut trop cette voiture. Ah non, mais y a pas moyen, ça c'est une voiture que je veux à tout prix. Attends, je vais encore essayer de la dépasser un peu. Oh, l'ordure. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il y a combien de voitures derrière moi, là? Ah, mais il se fout de moi, hein. Max, je t'ai dit, il se fout de moi. Après, il y a une forteresse là-bas, j'irai voir c'est quoi. Et là, je rigole, s'il m'emmène dans des coins assez paumés, je vais être comme un ouf. Et je suis con, j'ai le harpon, moi. Ah, il a lâché. Oh, l'enfoiré. Je crois que je l'aurai jamais, c'est vraiment un jeu de... Attends, il y a une forteresse quelque part. Oh, y'a... Ça y est, j'ai la voiture. Je pense qu'on aura des ennuis aussi ici. Hop. Ça va quand même, hein. Ça me permet d'économiser un peu de temps. C'est 5 par 5, pour l'instant on est à 15. Par contre, il y a un mec qui est en train d'infiltrer là-bas, c'est trop marrant. Je sais pas si je peux faire encore d'autres réserves, par curiosité. Bah, plus on a, mieux c'est, hein. Je pense qu'il y aura des trucs assez intéressants à explorer encore un peu plus loin. Attends, je sais pas si je peux encore faire une autre réserve derrière. Encore une autre ferraille. Attends, il y a une autre voiture là. Je vais te servir, hein, sincèrement, ici. Hein. Je le sens bien. Donc je vais lâcher pour l'instant. Franchement, il y a énormément de potentiel. Hein. Regardez, ça nous en fait. Franchement, je crois que c'est 50 ou 100 ferrailles. Donc moi, les amis,
Je ramasse encore un ou deux trucs et je vous dis, franchement, je vous retrouve tout de suite.